Bonjour à tous, c'est Doc McCoy. On se retrouve pour le test de Crossroads Island sur Super NES, développé par Software Creations, édité par Acclaim et sorti en 1995. Ce jeu est l'adaptation du film éponyme L'île aux pirates, Crossroads Island de Rennie Harlin. C'est une énième tentative de remettre au goût du jour le film de KPDP sur le thème des pirates, 10 ans avant Pirates des Caraïbes. C'est l'histoire de Morgan, pirate et fille de pirate, qui part à la recherche du trésor que son père a caché sur Crossroads Island. Elle devra s'allier à Shaw, un autre pirate, et affronter son oncle Dog, qui convoite tellement le trésor qu'il a assassiné plusieurs de ses frères pour avoir la carte. Rajoutez à ça un gouverneur corrompu, des mutins, une histoire d'amour à l'eau de rose, et vous obtenez ce qui a failli être le pirate des Caraïbes des années 90. Le film est surtout connu pour être le plus gros flop de tous les temps au box-office. Il a coûté 100 millions de dollars et n'en a rapporté que 10. Il a entraîné dans sa chute le studio Carolco, connu pour avoir produit notamment les trois premiers Rambo, Terminator 2, Total Recall, Basic Instinct, Cliffhanger et également Stargate, dont je vous ai testé l'adaptation il n'y a pas très longtemps. Le film a également mis un gros frein à la carrière cinématographique de Gina Davis, l'actrice principale qui interprète Morgan au cinéma. Alors Gina Davis, moi c'est une actrice que je trouvais très jolie à l'époque, et malheureusement, comme beaucoup de femmes américaines, passé 40 ans, elles, je sais pas ce qui leur arrive, elles ont tendance à gonfler. C'est même pas qu'elles vieillissent, c'est qu'elles gonflent, on dirait qu'on leur a injecté de l'hélium. Enfin, je sais pas quel est ce phénomène, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez Hillary Clinton ou Monica Lewinsky, enfin bref. Objectivement, j'ai pas vu le film depuis longtemps, je l'ai vu, je pense que la dernière fois où je l'ai vu, c'est quand ils l'ont diffusé à la télé. Quelque chose comme un an et demi après la diffusion au cinéma. Donc ça remonte à loin et je m'en souviens pas vraiment, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. A priori, c'est pas un très bon film. On va voir ce qu'il en est du jeu. On arrive sur la... Après cette intro que vous avez vu, qui a l'air quand même assez sympa, avec une bonne musique, assez simple, hein, juste un texte qui défile sur un fond, on a quand même... On a quand même une musique assez sympa, ça laisse présager de bonnes choses. Sur le menu, on a très simplement le choix dans les options du style de combat. On a le swordplay et le brawling. Donc tout simplement, swordplay, c'est le combat à l'épée et brawling, c'est le combat à main nue. On va laisser swordplay et on va lancer un jeu. Vous voyez qu'on peut jouer à deux. Donc on va jouer tout seul parce que je suis tout seul. Mais on peut très bien jouer à deux puisque le jeu... nous propose de choisir entre deux protagonistes, Morgan, la femme pirate, et Shaw, son allié. Donc on va prendre Morgan pour commencer, et je vous montrerai le gameplay de Shaw un petit peu plus tard. Sachant qu'il y a très peu de différence entre les deux personnages. Donc là, à ce stade du jeu, en fait, Morgan va essayer de sortir Shaw de prison. Et donc elle se retrouve dans une prison de la Jamaïque pour essayer de sortir le pirate de prison. Donc ce qu'on peut remarquer déjà dès le départ, c'est qu'on a une musique excellente pour le premier niveau. Graphiquement, vous voyez que c'est assez joli, ça casse pas des briques par rapport aux productions de l'époque 95 sur Super NES. Mais clairement, on a quelque chose qui se tient bien, c'est assez propre. On a une bonne qualité d'animation, regardez-moi ça, hop. Donc le jeu c'est quoi? C'est une sorte de beat'em all. Puisqu'on aura la possibilité de donner pas mal de coups différents. Et on a, je vous montrerai ça dans le détail après, mais on peut faire des glissades, on peut sauter, etc. On a même un double saut qui sert pas à grand chose. Quand on saute en l'air, on a un double saut.
Par contre, quand on saute comme ça, on n'a pas de double saut. C'est assez bizarre. Premier niveau assez court puisqu'on arrive déjà à un boss. Je sais pas ce que c'est exactement, c'est le geôlier en fait de la prison. Avec lui, il est chiant parce qu'il a un fusil avec une hache au bout. Et en plus, les ennemis, surtout les boss, ont une fâcheuse tendance à sortir de l'écran. Et on aura un peu de mal à les avoir en dehors de l'écran. Lui, il faut pas hésiter à le bourriner. Là, il va me tirer dessus. Non, c'est bon. Là, il faut ramasser la vie, la clé et la carte. Et le... Je sais pas ce que c'est une carte. Ouais. Parce que si vous ramassez la clé et le petit bout de carte en premier, en fait, le script se déclenche avant que vous ayez le temps de récupérer la vie supplémentaire. Donc, vous voyez que c'est un jeu... Au départ, on arrive comme ça sur le jeu, on voit quand même que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Vous allez voir que là, on va avoir une sacrée surprise. Regardez le sprite de Morgane. Moi, je trouve quand même que le sprite est très réussi pour le côté sexy de la femme pirate avec son chemisier ouvert. Moi, j'adore. Voilà. Deuxième stage. Stage en chariot. Et là, vous allez voir, c'est le gros problème. C'est un des gros défauts du jeu, c'est ce stage-là. Tout simplement parce qu'on ne voit pas les obstacles arriver. Là, je sais plus. Ouais, faut faire ça. Là, il va y avoir... Non. Faut se mettre là, je crois. Ouais. Après, il va y avoir un gros balèze. Je vais me planter, là. Hein. Il y a de grandes chances que je me plante. Là, il y a un gros balèze. Ensuite, je crois que c'est comme ça. Ouais. Ah, je vais peut-être y arriver. Je me souviens pas du tout de l'ordre des... Ouais, c'est bon. De l'ordre des obstacles. Au pire, j'ai tout prévu. Hein. Vous verrez que j'ai tout prévu. Là, je crois qu'il faut remonter. Ouais. Ouais, j'ai du bol. Je sais qu'à un moment, il y a un enchaînement assez chiant. Là, il faut remonter. Non. Ouais. Vous voyez, là, c'est chaud, hein. Mec, je vais encore passer pour un con. Non, c'est bon. Oh. Non ! Ouais, voilà. Voilà, c'était vrai. C'était à la fin, il y avait un gros balèze. Ce qui est chiant, c'est qu'on recommence du début et je me souviens pas de ce que j'ai fait. Mais je vous dis, j'ai tout prévu, hein. J'ai prévu une save state au cas où. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprenez pourquoi, vous voyez. Ce niveau-là, il y a une visibilité assez réduite. On voit vraiment les obstacles au dernier moment. Là, en bas, il y a une pierre. Voilà, après, en haut, parce qu'il y a le gros balèze. Les petits ennemis, là, avec les perruques, on peut les shooter sans problème. Hein. Mais les gros, ils nous bloqueront. Alors ici, c'est en haut. Hop. Ici, je sais plus. Il faut rester en bas, je crois. Mais après, il faudra remonter à cause du... Non. Putain, voilà, à cause du gros balèze. Et j'ai perdu. Non, pas encore. J'avais encore une vie. Donc ça, c'est un gros défaut du jeu, c'est ce passage-là. Je pense que pour 90% des gens qui ont touché à ce jeu, ils sont pas allés plus loin que ce niveau-là. Là, c'est en haut ou en bas? Non, c'était en bas, putain. Bon, c'est pas grave, vous allez voir, j'ai tout prévu. On se retrouve tout de suite. Donc, niveau suivant. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai fait une save state. Ben, tout simplement parce que je vais pas passer une heure à vous passer le niveau 2. J'ai d'autres choses à vous montrer. Et moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui... Soit vous le faites à la régulière, c'est-à-dire que vous essayez de mémoriser, de noter la position des obstacles. Vous verrez, en fait, c'est pas dur une fois qu'on le sait. Hein. Une fois qu'on le sait, il faut se déplacer deux ou trois fois en haut ou en bas. Et c'est bon, hein, y a rien de compliqué, mais on est obligé en fait de se manger tous les obstacles pour y arriver. Hop, alors c'est pas évident de parler de ce jeu en jouant, mais ça je vous le dis à chaque fois, va bien falloir que j'arrête de le dire un jour. Oui, donc la deuxième solution, bah, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire vous allez sur internet, vous regardez un long play, il y en a plusieurs, un long play de ce jeu, vous notez les différents obstacles et vous faites le niveau d'une traite, vous le réussissez et après vous faites une save state, ce qui fait que bah, après vous avez plus trop de problèmes pour continuer le jeu. Ce sera vraiment le seul passage extrêmement bloquant du jeu. Il y a d'autres niveaux chiants. Mais c'est pas chiant à ce point-là. C'est pas du pur die and retry comme le niveau du chariot, le niveau qui est... C'est dommage qu'ils aient mis ça en niveau 2.
Il y aura un autre niveau sur un... C'est pas sur un chariot, c'est sur une diligence. Je vais fouiller un peu ici. Donc, au niveau des coups, vous voyez, on peut sauter. On peut sauter et donner un coup d'épée. On a, vous avez vu que quand j'ai passé le premier niveau, j'ai eu un nouveau coup spécial en appuyant sur A et X. Bon, là, on le voit pas bien parce qu'il a, il a qu'une seule arme. Mais il peut donner, en fait, un coup de chaque côté. S'il a deux épées, il donnera deux coups d'épée de chaque côté. On a la possibilité de faire une glissade en appuyant sur bas et saut. On peut courir. On court et en fait, il donne un coup d'épaule. Hop, vous voyez. On va le faire là où il y a des ennemis. On peut rentrer, vous voyez, on peut rentrer dans les maisons. Le jeu est une alternance de niveaux d'exploration. Et là, je ramasse une arme secondaire que je pourrais utiliser avec un bouton. Donc, les armes secondaires, ça peut être soit des armes qu'on peut utiliser en complément de son arme principale. Hop. Là, je l'ai perdu, mon arme. Là, je vais récupérer la petite bouteille. Là, c'est de la vie, il me semble. Il suffit de passer sur les objets pour les récupérer. Ouais, c'est de la vie, ça. Eux, c'est des gros balèzes. Il me chope. Lâche-moi. Hop là. Ah, est-ce qu'il a un double saut, lui? Ouais. Il a aussi son double saut qui sert à rien, encore une fois. Là, il n'y avait rien. Vous voyez, on a des maisons qui servent à rien. On a des niveaux comme ça où il faudra explorer. Donc, vous voyez que le sentiment qu'on a sur ce jeu, au départ, c'est quand même une beauté graphique assez intéressante, même si c'est pas au niveau des standards de l'époque. On a une qualité d'animation qui est vraiment le point fort du jeu. Hein, on a un niveau de détail au niveau des animations et des mouvements qui est assez propre. Il y a mieux, évidemment, hein, mais franchement, pour un jeu adapté d'un film comme Crossroads Island, c'est pas mal. On a une palette de coups quand même assez variée. Et en plus, cette palette va s'étoffer avec le temps vers la fin du jeu. Vous le verrez pas ça, mais vers la fin du jeu, on peut acquérir un mouvement qui est une sorte de Shoryuken avec une épée. C'est le spinning uppercut. En fait, il saute et il fait des moulinets avec son épée en tournant sur lui-même. Ah, salaud. Faut que je fasse gaffe parce qu'on peut perdre des vies quand même assez rapidement. Alors, on va aller, je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Hop, allez. Alors la musique sont assez sympas, surtout l'intro et le premier niveau. Après, vous avez vu, la musique qui est là, c'est la même. La musique de ce niveau, c'est la même que celle du chariot. Et c'est une musique qu'on retrouvera globalement assez souvent, malheureusement. Vers la fin du jeu, vous aurez des nouvelles musiques, mais il y a un manque de variété. Autant les thèmes utilisés sont bons, autant ils sont surutilisés. Vous voyez que pour les ennemis, c'est pareil, hein, graphiquement. Pour les ennemis, comme d'habitude dans les beat'em all, on a un swap color évident. Et bon, bah c'est dommage, mais pareil, hein, vers la fin du jeu, vous aurez quelques nouveaux ennemis. Mais globalement, il n'y a pas énormément de variété. C'est un jeu qui souffre quand même d'un manque de variété évident. Pas forcément dans son level design, mais surtout dans la variété, dans les ennemis, en fait. Dans les ennemis, et puis aussi, il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas d'explosion. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un pistolet. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit de coup de feu. Ça, c'est une arme secondaire. Je l'utilise 3 ou 4 fois et il n'y en a plus. Là, on a une bouteille. Je pourrais l'utiliser comme arme aussi. Là, j'ai loupé mon coup. Les ennemis me rappellent un petit peu les pirates qu'on voyait dans Monkey Island. Les pirates qui glandent dans le premier Monkey Island. Ah bah, j'ai déjà perdu. Je vais recharger ma save state. Je vais pas me retaper le deuxième niveau. Hein. Alors, je sais que c'est un peu chaotique comme test, mais c'était soit ça, soit je vous faisais un test en off sur des vidéos qui ne m'appartiennent pas, que j'aurais pas réalisé moi-même. Et ça, je me l'interdis quand même plus ou moins. À part si vraiment je vous fais un... Je sais pas moi, un documentaire ou une rétrospective de jeu où je vais pas forcément faire toutes les captures moi-même, même si d'un point de vue qualité visuelle, je préfère.
Voilà, c'est... Vous voyez, là, j'ai un boulet. Hop, vous voyez, l'effet d'explosion, il est pas extravagant, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas d'effet, il y a pas de super effets spéciaux, il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est une réalisation propre, mais assez modeste. Mais par contre, c'est fluide, c'est rapide, il n'y a pas de ralentissement. Mais voilà, c'est un jeu qui manque quand même de variété. Alors, vous avez vu que les sprites sont de bonne taille, mais assez, sont pas très gros pour un jeu de l'époque. Ils auraient pu être plus gros. Malgré tout, assez détaillé. Notamment, je vous ai dit, l'animation, pour moi, c'est ce qui constitue un gros point fort du jeu. Par contre, un point faible du jeu, et ça, vous l'entendez en ce moment. Je vais vous laisser écouter un petit peu. Vous avez quand même, vous avez des bruitages qui sont réussis, comme... je sais pas moi, les bruits d'épée, les bruits de cloche, etc. Vous avez des bruitages qui sont inexistants, comme je vous ai dit, le coup de feu quand on tire au pistolet. Mais par contre, le bruitage quand on touche un ennemi ou quand on se fait toucher, il est clairement ridicule. Hein. Écoutez bien. Et c'est toujours le même. C'est toujours la même tonalité. Ça fait quand même bizarre de voir des pirates, des gros balèzes... faire un bruit de pucelle effarouchée quand on les tue, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a l'impression de tuer des poussins. Donc ça c'est un gros défaut pour le coup dans l'immersion. Là, elle a pris cher, l'immersion. On a vraiment pas l'impression d'affronter des pirates, hein. Et bien entendu, là, le développeur ne peut pas nous donner d'excuses vaseuses du genre... On n'est pas à l'aise sur cette plateforme, comme ça aurait pu être le cas si le jeu était sorti sur Mega Drive. Parce que sur Mega Drive, on aurait eu des bruitages pourris et nous aurait dit « Oui, mais c'est le processeur sonore qui a une capacité insuffisante et patati patata. » Là, ici, on est sur la Super NES, donc processeur sonore de qualité, enfin facile à programmer et avec une définition supérieure à la Mega Drive. Donc, il n'y a pas d'excuse. Là, c'est juste qu'ils ont choisi un son pourri, un mauvais son, un son inadapté. Raté. Vous voyez, il n'y a pas de bruitage pour le pistolet. Ah zut, ça c'est chiant. Quand vous avez déjà une arme et qu'il passe sur une autre arme, il la ramasse. Donc là, il a ramassé la bouteille, mais j'avais encore une ou deux charges de pistolet. Ah! Pirate bourré, là. Jack Sparrow. Dégage! Vous voyez, c'est du beat'em all, là. C'est du beat'em all, matinée de plateforme, ce que je vous disais. Vous voyez là, quand on chope un ennemi, on l'envoie dans une autre direction et on arrive à le balancer. Hein. Même si c'est un gros balèze comme lui, avec son marteau là. Là, on va avoir un boss. Alors, il n'y aura pas beaucoup de boss. À vrai dire, je crois que c'est le seul. Et après, enfin, c'est pas lui qu'on affronte. On va affronter deux boss en réalité. Hein. Deux mini-boss. Et à la fin du jeu, on affronte, donc lui c'est Daug, c'est le grand méchant du jeu. Et son adjoint, son serviteur, Snellgrave, que je ne sais pas s'il apparaît dans le film. Dégage! Putain, enfoiré! Ah, il m'a déjà pris une vie. Ah, full camp! Ah, je l'ai chopé! Faut que je me barre quand il fait ça, parce qu'en général, il me chope avec sa chaîne. Lui, c'est pas le capitaine Crochet, c'est le capitaine Chaîne. À la place d'une main, il a une chaîne. Ils peuvent se remorquer l'un l'autre avec le capitaine Crochet. Vous voyez, hop. Donc là, les boss, il y aura lui. Il y aura le boss juste après, donc vous allez peut-être voir si j'arrête pas de crever. Non, je suis mort. Hop, on recharge. C'est reparti. J'ai pas prévu de save state pour aller plus loin, donc normalement je vais plus loin, c'est pas... Le jeu est assez difficile quand même, mais j'arrive à aller plus loin. Écoutez, c'est pas grave, au moins vous le découvrirez par vous-même. Moi j'ai balancé le boulet dans le vide, c'est moi le boulet dans l'histoire. Donc qu'est-ce que je vous disais moi? Ouais, donc un manque de variété, notamment au niveau des boss, il y en a très peu. Il y a Snellgrave, le gars que vous avez pas vu, que vous verrez peut-être juste après. Je vais me dépêcher, tiens, je vais rusher, je vais éviter de perdre des vies bêtement en affrontant tout le monde. On n'est pas obligé, hein. Encore une fois,
C'est un beat'em up à ce moment-là, parce qu'on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Hein. Alors ce que je peux faire, c'est garder le pistolet pour Snellgrave, mais il part assez bien quand même avec sa chaîne nébulaire. Hop là. Moi j'ai tendance à sauter, mais quand je regarde les vidéos de ce jeu, les vidéos sur ce jeu, les gens ne sautent pas en général. Ils y vont au bourrinage. Donc là, je vais éviter de récupérer la bouteille. Garder le pistolet pour les casse-couilles. Voilà. Notamment notre ami... Là, j'en ai eu deux d'un coup. Ça, c'est bien. Ça. Notre ami le pirate bourré. De Jack Sparrow. Le même que celui de la Edge Convention. C'est pour ceux qui étaient là. Ceux qui ont vu la vidéo de... C'était de qui déjà? Qui montrait un Jack Sparrow bourré qui rampait pour récupérer sa bouteille de rhum. Ouais, enfin bref. Alors, hop, on va essayer de lui foutre un coup de pistolet. Merde! Il va me faire chier avec sa chaîne. Parce que j'en ai un autre juste après, donc il faut quand même que... Faut quand même pas que je me foire. Et on peut enchaîner avec le coup secondaire. Là, c'est un coup de poing, mais s'il avait une autre arme, ce serait l'autre arme. Il peut récupérer de temps en temps une deuxième épée. Voilà, j'ai eu Snellgrave. Il est pas mort, hein. Mais bizarrement, je crois qu'on le recombat pas dans le jeu. Et là, on a un autre gars avec deux épées qui nous ressemble un petit peu. Donc, lui, il est pas trop dur, lui, il faut jouer dans l'esquive. Lui, ça va. Il est moins chiant que Snellgrave. Ça, je pourrais peut-être vous montrer le niveau suivant, qui est un niveau sur lequel on est sur une diligence. Qui est pas trop dur, mais qui peut être chiant à cause des gros boulets de canon. Là, vous avez vu l'attaque chargée, là, hop. Voilà, je l'ai chopé. J'ai loupé ma... J'ai pas réussi à le balancer. Merde. Ouais, il est mort. Vous voyez, ils sont pas très longs. Ah, il faut que je récupère le bout de carte. Donc là, vous voyez, j'ai encore un nouveau coup, le Spinning Slice, donc qui est beaucoup plus impressionnant quand on a deux épées. Donc il faut récupérer une épée. Fouiller les niveaux, ça servira à ça aussi. Ça servira à récupérer les armes secondaires. Qu'est-ce que je pense de ce jeu concrètement? C'est un jeu qui m'a agréablement surpris les premières minutes de jeu. Donc là, il faut faire gaffe, c'est surtout aux boulets de canon. Comme là, voilà. Il faut éjecter les mecs, il faut éviter de trop sauter. Notamment de sauter vers l'avant parce qu'on peut tomber... Voilà, là, fallait pas faire ça. Bah voilà, j'ai perdu encore. Bah c'est pas grave, je relance. Et je vais faire ma conclusion sur le niveau que vous avez déjà vu. Au pire, je vous claquerai une incrustation plus loin. Donc, je vous ai dit, c'est un jeu qui m'a agréablement surpris dans les premières minutes de jeu. Franchement, je pensais pas être aussi emballé par l'intro et notamment la musique du premier niveau et le premier niveau, qui est assez court, hein, mais avec la découverte du gameplay avec cette musique qui est franchement géniale. J'ai été refroidi par le deuxième niveau, ça comme beaucoup de monde, je pense. Et à partir de là, j'en ai tiré les conclusions. Donc c'est un jeu qui est entaché quand même de défauts assez rédhibitoires, notamment une difficulté mal dosée, des niveaux qui sont vraiment rédhibitoires comme le deuxième, et après ben bien sûr ça démotive pour la suite, hein, forcément. Un manque global de variété, ça je vous l'ai dit. Sans ça, ce jeu aurait tout du hit. Parce que on a quand même une animation de qualité, une maniabilité qui se tient bien, même s'il y a quand même des coups qui sont pas forcément utiles. Je vous ai dit, il y a un double saut qui est pas forcément utile, mais une maniabilité qui se tient bien, une animation qui est correcte également, un bon graphisme, la musique qui est de qualité malgré quand même des sons qui se répètent. Moi, je trouve que c'est un jeu donc moyen, avec quand même quelques défauts.
et globalement plaisant à découvrir. Faut savoir qu'on peut y jouer à deux, ça je vous l'ai dit. Et je pense que c'est quand même plus sympa à deux déjà parce que c'est moins dur. Et notamment, j'ai lu quelque part que les phases en chariot, en fait, on est plus vif quand on est à deux. Bizarrement, quand on est dans la phase de chariot, le chariot se manie beaucoup mieux à deux. Pourtant, il n'y en a qu'un seul qui le manie, hein. Mais on est beaucoup plus réactif dans cette phase de chariot à deux. Donc, un jeu que je voulais vous faire découvrir, parce que pour moi, il n'est pas connu. En tout cas, je ne le connaissais pas. Donc, un jeu plaisant à découvrir, assez décevant de par sa difficulté et son manque de variété. Globalement, bien meilleur que le film. Ça, c'était pas dur. Donc c'est une bonne adaptation, c'est un bon jeu vidéo basé sur un mauvais film, ce qui est assez rare, puisqu'en général vous avez beaucoup plus de mauvais jeux basés sur des bons films et de mauvais jeux basés sur des mauvais films. Et là c'est une exception, c'est un bon jeu, enfin un jeu correct, correct sans plus, basé sur un mauvais film. Ben, j'espère que vous avez apprécié tout de même cette petite présentation, ce petit test de Cuss Ross Island, l'île aux pirates sur Super NES. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Doc McCoy. Salut !